Wow, que la lumière soit, bien-aimé, que la lumière soit. Nous sommes à notre heure de l'émission, que la lumière soit. Je suis en train d'inviter tout le monde à pouvoir se connecter déjà à notre émission, bien-aimé, et commencer déjà à partager. Aujourd'hui, nous allons faire la clôture. Coco, je ne sais même pas où est-ce que vous êtes parti, toute la famille. Que la lumière soit avec toi, Coco. Tu partages aussi avec les autres pour qu'ils viennent nous rejoindre. Et Nathalie et Kumba déjà de retour en Allemagne, ma petite tante. Et que Dieu bénisse, tu partages aussi cette émission. Eric et tout ça. Il y a des Rodriguez. Il y a beaucoup de gens déjà qui commencent à se connecter. N'hésitez pas à partager déjà cette émission à un nombre de personnes et un grand nombre et pour qu'ils viennent aussi manger avec nous Jésus. Vous savez bien que aujourd'hui, nous allons clôturer notre sujet. Et Léo Mathieu, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi. Je vois des Salman, tout ça. Voilà, c'est le Nathan, il est toujours là avec nous aussi. Et tous ceux qui rentrent, que la lumière vous éclaire et que vous partagez. Fifi Dalo, ma fille, qu'est-ce que ça fait longtemps aussi. Tu partages cette émission aussi à un grand nombre de gens. Pour qu'ils viennent écouter, bénéficier aussi de la faveur et Marius. Et je salue tout le monde qui est rentré. Je dis à tout le monde que la lumière soit et vous éclaire. Et je vois, et voilà, des mamans Faucine qui commencent à négliger des jeûnes de prière avec Mamie Flore et tout ça. Que Dieu vous aide. Espérance, tout ça. Madalena Bozo, des pasteurs Nono. Je vois les gens entrer. Et je salue l'arrivée de tout le monde. Et que la lumière soit avec vous. Partagez bel et bien cette émission à un grand nombre de personnes aussi pour qu'ils puissent venir manger Jésus, profiter de ce temps glorieux. Aussi que le Seigneur vraiment vous fasse beaucoup de bien et qu'il vous bénisse de partout que vous vous trouvez. Bien-aimé, Tabitha, mon bel et ma fille, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi. Et nous allons à la fois préparer déjà l'entrée de cette émission, manger Jésus, bien-aimé, en écoutant. Déjà notre chanson d'album Le Retour, l'album Le Retour, bien-aimé. Parce qu'il y a un retour de Jésus, les retours et les titres et de la chanson et Sala Ozonga. Et voilà, que le Seigneur bénisse. Et partagez cette chanson aussi. Entrez, abonnez-vous, je dis aux gens, abonnez-vous nombreux, nombreux, nombreux. Et dans ma chaîne YouTube. Papinkoumou, Saint-Évangile, abonnez-vous pour parce que déjà des clips, les autres clips sont déjà finis, sont déjà là. Et je n'ai pas encore mis en ligne pour tout le monde. Bien-aimé, du moment où je mettrai, je voudrais que tu sois la première personne à recevoir l'information. Abonne-toi. Et dans ma chaîne YouTube, Papi, tu tapes simplement YouTube, tu rentres à YouTube, tu tapes Papinkoumou, Saint-Évangile. Et tu vas arriver, tu t'abonnes. Ou sinon, tu prends simplement les clips Sala Ozonga, tu tapes, tu tombes directement là-bas et tu verras un endroit aussi marqué abonne-vous, abonné. Et il y a une petite clochette là, tu appuies pour que tu reçoives des notifications de l'arrivée de toutes les chansons qui vont entrer. Demain, je suis à l'usine de disques. Demain, je serai à l'usine des disques. Je pense que d'ici là, nous serons en possession de tout. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors écoutez notre chanson et apprêtons-nous aussi pour manger Jésus à la fois pendant que nous écoutons notre chanson. Sala Ozonga, prie, prépare-toi pour écouter aujourd'hui, c'est la conclusion de l'enseignement qu'on avait commencé. Waouh! Je bénis Dieu pour cela. Il revient dans du temps, Jésus. Wow! Il revient moi chercher ses enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il a pris des paix sur cette terre. Yes. Et qu'il nous reste, c'est de mettre dans sa présence. Jésus. Seigneur nous éclaire, bien-aimés, ça c'est vrai. Qu'il nous fasse comprendre ce message, qu'il nous fasse comprendre les temps dans lesquels nous traversons.
un temps compliqué, bien-aimé. Un temps qui demande, bien-aimé, la vigilance, et que ça demande à tout le monde de se réveiller. Le temps dans lequel nous traversons, ce n'est pas le temps de la distraction, c'est le temps, bien-aimé, du réveil, de l'éveil spirituel. Oh mon Dieu, quelle chanson puissante, quelle chanson merveilleuse qui réveille les esprits. La chanson puissante qui nous prépare vraiment à écouter un grand bon message, bien-aimé. Nous finissons notre enseignement avec cette chanson. Voilà pourquoi je vous invite tous, bien-aimés, à nous concentrer. Alléluia. Naba posa nango e komiko luka ngaye di kolonga. Oh Yesu, zame na ngamuti. Na itole mite mani we zame zame. Zame libi kumwe mosi na ngamu. Zame na ngamu. Tumo na lelo na. Oh Dieu merveilleux, je te remercie, excellent. Je bénis et je salue ta présence au milieu de nous. Merci de tous les enseignements que tu nous donnes. Merci de ce que tu nous parles, Seigneur. Merci de ta présence, merci de ta sainte, glorieuse puissance au milieu de nous. Merci pour tout ce que tu fais, merci pour toute interprétation de la pensée. Merci pour ta parole, merci pour le verbe que tu conjugues au travers de nous, de cet enseignement, pour nous faire comprendre. Merci de ce que tu prends ce qui est dur et tu le rends doux, et pour que nous puissions tous manger. Merci pour l'éclaircissement, merci de ce que tu chasses les ténèbres de notre ignorance. Et Seigneur, pour que nous accédions à la connaissance, parce que tu as dit, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, Seigneur. Et nous t'aimons, Seigneur, parce que tu es venu, tu es descendu de la terre pour nous rendre libres. Et tu nous as aimés les premiers et nous sommes que les derniers, Père très saint. Seigneur, tu demeures toujours fidèle à ton amour et à ton alliance. Et c'est nous, bien que nous sommes, et qui tombons et qui abandonnons la fidélité. Seigneur, nous célébrons ton nom. Je te dis merci les jours que tu reviendras. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mon frère et ma soeur qui ouvre son cœur. Souviens-toi de ceux-là qui veulent rentrer et qui se donnent la peine et qui portent leur croix, Père tout puissant, pour te suivre. Seigneur, souviens-toi de chacun. Oh, merci. Alléluia. Mon cousin, mon ami,
Alléluia. Voilà. Je salue l'arrivée de tout le monde, l'arrivée de mon vieux Jean Bosco Kinomba, l'apôtre Noël, Messia. Je bénis tout le monde qui est rentré, le prophète qui était déjà là, et tous ces gens qui arrivaient, bien-aimés, les aimés, Miradit, ma fille, de mamie Rosa, tout le monde est bien-aimé, même si je n'ai pas cité ton nom, Lydie Kumba, tout ça. Et je vous salue et je prie beaucoup que la lumière de cet enseignement nous éclaire tous, bien-aimés, le plus grand et soucieux de Dieu, et que son peuple parvienne à la connaissance de lui, la personne de Jésus. Je suis très content de vous savoir avec moi et de vous savoir aussi si nombreux. Bien-aimés, n'oubliez pas, à chaque fois que nous faisons notre entrée dans cette émission, nous avions une offrande à donner. Cette offrande à donner, c'est simplement partager cette émission aux amis que tu as, à Facebook et partout ailleurs, prenez même les téléphones, appelez, bien-aimés, beaucoup de gens pour qu'ils puissent venir écouter. Le temps où nous devons tous nous réunir tout autour du corps du Christ et manger son corps. C'est le message d'aujourd'hui, bien-aimés, il faut manger le corps de Jésus et boire son sang pour qu'on puisse se communier, devenir une seule personne, parce que le monde est trouble et il y a aussi des troublères aussi et qui sont là comme Galates chapitre 1 nous le dit. Il y a aussi des gens qui nous troublent. Il n'y a pas plusieurs évangiles, il n'y a qu'un seul, mais il y a au moins, il y a au contraire des troubleurs. Alors bien-aimés, nous avions commencé l'enseignement, ça fait 14 séances, aujourd'hui c'est 15e et notre clôture aujourd'hui, nous allons clôturer par la séance d'aujourd'hui parce qu'on ne doit pas rester que là. Et nous devons manger équilibré, c'est très très important, tel est le but du Saint-Évangile. Bien-aimés, je pense que vous savez que vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est cette émission, que la lumière soit, qui éclaire, qui chasse nos ténèbres. L'émission du Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui est la spiritualité, l'intelligence. L'évangile de la précision, du acte 17, 10 à 11. L'évangile, bien-aimés, de la troisième dispensation enseignée par l'homme sans nom, l'hôtelier, le Saint-Esprit, et bien aimé, l'évangile où on dit que non, la mauvaise compréhension et la mauvaise interprétation, ce sont des choses qui détruisent le monde. L'évangile, bien aimé, nous le savons, est l'évangile qui aime la vérité. Et c'est cet évangile qui l'homme sans nom enseigne, bien aimé, on avait commencé ce sujet sur l'esprit des dominations. Et aujourd'hui, c'est 15e séance et la dernière qu'on va clôturer. Alors aujourd'hui, nous récapitulons rapidement et nous clôturons avec ce qu'on paye. Je sais que je ne peux pas vous donner tout, c'est impossible, bien aimé, avec le temps que j'ai. Bien aimé, le Saint-Esprit est tellement capable de vous enseigner même les choses que je n'ai pas pu les dire ou vous éclaircir. Mais le but de tout ce que l'homme sans nom a utilisé dans cette séance, vous aidez au moins à faire appel à votre compréhension, vous donner un sens de vous réveiller et de vous nourrir plus de Christ que de vous nourrir d'autres choses. Quand on a commencé cet enseignement, bien-aimé, nous avions dit que non, la domination, et c'est la pensée de Dieu en nous. Dieu a mis dans nos gènes le sens de dominer, mais nous l'avons perdu. Nous l'avons perdu depuis le jardin d'Éden par l'inconscience de l'homme et par aussi, bien aimé, l'imprudence de l'homme, par manque de connaissance de l'homme. Parce que Dieu nous a fait à son image, Dieu nous a établi comme de Dieu. La Bible dit, les cieux de ceux sont de l'Éternel, la terre Dieu a donné au Fils de l'homme. C'est là où Dieu nous a donné pour établir notre domination. Et la Bible dit, Dieu nous créa. Genèse 1, 26, Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Dieu créa l'homme et la femme pour qu'il domine. Le verset 26 dit, Dieu créa l'homme et la femme pour qu'il domine. Et 28, et Dieu dit, créa l'homme et la femme à son image et la ressemblance pour qu'il puisse quoi, dominer, remplir la terre et toutes ces histoires. Bien aimé, et nous avions perdu la domination par l'imprudence et par ne pas savoir ce que nous sommes et ce que nous avons et c'est pourquoi Dieu nous a créés. Alors, cette domination est partie auprès d'une personne qui va se vanter l'avoir reçu cela par la quoi on l'avait donné. C'est le diable. Le diable dira dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 5, il dit quoi? Et quand il amena Jésus du haut et pour voir tous les royaumes de la terre, et il dit que tout pouvoir lui avait été donné, la gloire et ton conseil, il suffisait simplement à Jésus de s'incliner à lui pour dire qu'à tout le monde qui se prosterne à lui, il leur donne, il lui donne. C'est là pourquoi, parce qu'il dit le pouvoir, tout lui avait été donné. Dieu lui a donné la domination. Et 1 Jean 5, 19, 10, va nous dire que non.
Et la Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous le pouvoir de l'ennemi, sous la puissance de l'ennemi. Et Dieu maintenant, nous fait comprendre que non, les temps que nous traversons, ce n'est pas les temps, mes amis, que nous devons jouer. Vous savez que Ecclésiaste chapitre 3, bien aimé, à partir du verset 1, la Bible dit, sous le soleil, il y a un moment pour toute chose, chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour telle chose, il y a un temps pour tel événement. Alors nous sommes arrivés dans les temps derniers dont a prophétisé même Jésus lui-même dans le livre de Matthieu chapitre 24, a prophétisé aussi l'apôtre Paul dans le livre de 2 Corinthiens et de Timothée chapitre 3, bien aimé, et que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Paul dit que les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, il y aura des, bien aimé, les gens seront fanfarons, blasphémateurs, orgueilleux, bien aimé, égoïstes, et toutes ces histoires-là. Bien-aimés, c'est le temps dans lequel nous sommes en train de traverser. Nous traversons le temps de la fin, le temps de la fin. Et dans ce même temps, la prophétie, parce que dans le temps que nous sommes en train de traverser, c'est un temps qui marche avec des prophéties que j'ai toujours souvent dit et qui est diamétralement opposées. Il y a la prophétie du temps et la prophétie de Joël et qui dit que non, dans les derniers jours, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront de vision. Et tout ce qu'on sent, je vous avais expliqué une fois sur toute chair. J'avais expliqué ça dans l'une de mes émissions. Alors, bien aimé, de même que dans ce même temps dernier, la Bible dit que les gens seront égoïstes et fanfarons. Et Christ dit que non, ils s'élèveront. Matthieu 24, 24, il dit, ils s'élèveront de faux Christ. Ils se lèveront des faux Christ, des faux prophètes, et il dit quoi? Si cela est nécessaire, jusqu'au point de chercher même à séduire les élus. Alors, maintenant, Matthieu chapitre 24, le verset 4, si je ne m'abuse pas, Christ nous conseille, il dit quoi? Il nous dit une parole très très importante, bien aimé, parce qu'on est à la fin, je récapitule, vous comprenez, ce sont des choses qu'on avait déjà vues, vous pouvez aller fouiller, vous allez trouver ça. Et Christ dit quoi? Prenez garde que personne ne vous séduise. C'est que nous sommes en train de traverser le temps de la diplomatie maléfique. Ou la diplomatie, bien aimé, il y a une diplomatie et dans le sens que il y a une séduction, il y a une manière de faire des choses et il y a une ruse. Et pour simplement chercher quoi? À avoir les hommes sous contrôle et servir et adorer la bête. Bien aimé, vous devez bien le savoir que non, les temps que nous traversons, beaucoup pensent prier, beaucoup pensent être libre, beaucoup pensent être cela. Mais dans cette émission, nous avions vu ensemble avec vous que non, nous ne sommes pas libres. Il n'y a que la seule personne qui peut nous rendre libres, c'est Christ. Mais si l'homme était libre depuis la chute de l'homme, Dieu n'allait pas venir, bien aimé, nous rendre libres. C'est ainsi que j'avais lié à l'émission de ce dimanche qu'on a parlé sur un esclave libéré. Un esclave libéré, qu'est-ce que nous avions dit? Nous avions essayé de faire comprendre quelque chose, quoi. Et dans les livres de Jean chapitre Jean 8 et 36, et dont la Bible nous dit tout simplement que si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Et pourquoi on nous parle de si dans le verset 32 nous dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mais c'est que par là que nous comprenons que non. Si on n'arrive pas à connaître la vérité qui est un homme et qui est Jésus, nous demeurons toujours dans l'esclavagisme. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de domination et qui est en train de contrôler la terre pour conduire tous les habitants de la terre à se prosterner, bien aimé, quoi? À la bête. À la bête dont Daniel chapitre 23 nous parle, bien aimé, vous connaissez, la statue qui devait être élevée à l'époque de Daniel, où Shadrach, Meshach, Abednego, Daniel devait se prosterner, ils ont refusé complètement, et tout ça, de se prosterner à cette statue. Alors, il a ses radios. La Bible dit que non, malheur à ceux-là qui entendent la deuxième résurrection. Bien aimé, la deuxième résurrection, elle est tellement compliquée. Il faut traverser la période de la tribulation, l'antéchrist et beaucoup d'autres choses. À cette période-là, l'homme se sauvera tout seul. Alors, nous avons vu avec vous, et qu'est-ce qu'on a dit? Nous avons dit, bien aimé, dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 18 au verset 19. Et quand nous avions lu cela, bien aimé, ceux qui peuvent noter, parce que c'est la fin, nous, dans nos conclusions, vous pouvez balancer tous ces versets aussi que je cite, vous le notez, pour aider les gens et qui viendraient peut-être suivre que la dernière séance et de comprendre un peu le cerveau de tout ce qu'on avait parlé.
C'est très important. Bien-aimé, j'aurais à vous rajouter simplement quelques trucs pour clôturer aujourd'hui et que Dieu bénisse tous ceux qui rentrent et tous ceux qui donnent le fond, tous ceux qui partagent. Je vous aime tant. Écoutez les enseignements de l'homme sans nom qui prêche en ces lieux, Céleste Potelier. Alors écoute bien. Bien-aimé, en Jean 2, 18 à 19, nous avions dit que non, la Bible dit petits enfants. C'est l'ère dernière. Vous avez entendu, vous avez appris et qu'un antichrist venait. Mais maintenant là, il y en a plusieurs antichrists. On dit qu'il y en a plusieurs antichrists. On annonce qu'il y en a plusieurs. Oh, que tout le monde partage, bien aimé, Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs. On annonce qu'il y en a plusieurs. Il dit qu'il y en a plusieurs. Et dans notre traduction, bien aimé, au lieu de dire qu'il y en a plusieurs antichrists, on dit plusieurs antéchrists. Quand on parle hanté, c'est avant, bien aimé, avant l'arrivée de l'antichrist, ceux qui préparent, ceux qui sont des précurseurs, qui préparent l'arrivée de l'antichrist. Et la Bible descend que non, ils étaient de chez nous, ils étaient au verset 19, ils étaient de chez nous, mais s'ils étaient de nôtre, ils seraient quoi? Ils seraient demeurés avec nous. Mais s'ils ne sont pas demeurés avec nous, bien aimé, ils sont partis, ceux qui ne sont pas de nôtre. Pourquoi? Bien aimé, ils étaient parmi nous, ils croyaient comme nous, ils ont connu la parole comme nous, ils ont reçu le Seigneur. Et tout cela, et la Bible nous l'annonce. Bien aimé, leur tactique et méthode, et bien aimé, et qu'ils exploitent si facilement, si vous lisez dans la Bible, quoi, c'est plus la séduction. Bien aimé, c'est l'ère où nous devons nous réveiller. On avait lu le livre de Romains, chapitre 13, le verset 11, la Bible dit quoi? La Bible dit que non, la nuit est avancée que lorsque. La Bible, non, au verset 11, dit quoi? Et cela est d'autant plus important, dans notre version, cela est d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. La Bible dit, vous savez à quel temps nous sommes. Vous savez. La Bible signale que nous savons, dès que personne n'est ignorant, personne doit faire l'ironie des choses. Bien aimé, nous sommes tous conscients que les temps que nous traversons, beaucoup d'éléments que nous voyons, ou tous les éléments que nous voyons, ce sont des éléments qui ont été déjà annoncés et prophétisés. Le monde est devenu trouble, bien-aimé. C'est ainsi que Éphésiens chapitre 5, bien-aimé, le verset 16, la Bible dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Car les jours sont mauvais. La Bible dit, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est qu'il faut prendre soin, il faut veiller sur le temps, ne pas gaspiller le temps, agir avec ton temps, respecter ton temps, honorer le temps et prendre le temps au sérieux, comme les anglophones disent « time is money » et comme on dit que le temps c'est de l'argent, bien aimé, et pourquoi? Parce que le temps que nous sommes, il ne nous reste plus beaucoup de poussière de minutes d'ailleurs. La Bible ira plus loin en disant que 1000 ans pour le Seigneur vaut un jour. Un jour, c'est comme 1000 ans. Donc, nous devons vraiment faire beaucoup attention à cela. Alors, quand je vous ai expliqué, je vous ai dit qu'écoutez, ces dominateurs qui sont là, des antichrists, et quand vous avez l'antichrist, c'est ceux qui sont contre Christ et contre tout cela, le but de l'esprit de domination, bien aimé, nous amener tous à obéir au système démoniaque. Bien aimé, cela nous contrôle. Et je vous ai dit que les terrains de l'exercice, les terrains qu'on peut si facilement, bien aimé, exercer la domination, bien aimé, waouh, les terrains qu'on peut facilement exercer la domination, comme je vous ai dit, dans l'homme, c'est le mental de l'homme. Vous avez entendu, c'est le mental. C'est au niveau du mental et que ces gens exercent la domination. Les diables et tous ses condisciples et tous ses envoyés. Bien aimé, ils nous contrôlent. Bien aimé, ils ont établi beaucoup de choses que je vous ai énumérées, que je vais les récapituler rapidement. Bien aimé, pour simplement nous conduire. Bien aimé, des fois tu penses que tu marches selon toi. Mais non, bien aimé, nous marchons selon les systèmes qui sont établis dans ce monde. Nous sommes canalisés. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière. Je vous ai dit que Jésus, avant de partir, il a dit « Père ». Dans le livre de Jean, chapitre 17, j'aimerais vérifier ça parce que de peur que je dise quelque chose qui n'existait pas. Ici, c'est la précision. Tous ces versets que je note, je dis, notez-les et laissez-les aussi à la portée de tout le monde. C'est yes. Hallelujah. Voilà. Et c'est Jean chapitre 17, comme je disais. Jean chapitre 17. La Bible dit que non, quand vous commencez, je préférais que vous lisez à partir du verset 11, Jésus parlait, priait à son père, en disant à son père que non, quand j'étais avec eux, et c'est moi et qui, et, et qui,
qui les gardait et qui les protégeait. Et vous, vous allez lire que jusqu'à au verset, au verset 16, vous lisez Jean 17, 11 à 16. 11 à 16. 11 à 16. Jean 17, 11 à 16. Jean 17, 11 à 16. Et Jésus dit que non, je ne prie pas pour que tu puisses les ôter dans le monde, mais pour que tu puisses les garder, bien-aimé. La Bible, il dit bien qu'il n'a perdu personne, si ce n'est que le fils quoi, de la perdition. Jésus voulait que Dieu puisse nous le garder. Il dit, ne les ôte pas du monde, mais garde-les. Parce que pourquoi Jésus veut qu'on nous garde? Parce que c'est que non, le monde est sous la puissance de l'ennemi. L'esprit de domination est en train de faire. Pourquoi le diable fait cela? Parce que le diable s'est rebellé à Dieu. Et le diable veut entraîner tout le monde et que surtout la créature que Dieu aime beaucoup, l'homme, que moi et toi nous sommes bien aimés, façonnés à son image et selon sa ressemblance. Le diable, cela le choque et le dérange. Alors le diable veut nous amener tous à la cadence de la rébellion. Et le diable, avec ses fils de perdition et d'autres personnes qui ont laissé des portes d'entrée, les diables maintenant le gestionnent. Comme il est rusé, bien aimé, nous n'en rendons pas compte. Des fois, nous pensons que nous sommes libres. Des fois, nous pensons que nous agissons à la manière des choses que nous voulons. Des fois, nous pensons que nous servons Dieu. Mais pourtant, bien aimé, nous sommes déjà emprisonnés. Alors, pourquoi? Je nous ai dit que non, même dans les milieux des églises, ces gens se sont introduits simplement, bien aimé, pour permettre simplement au diable de récupérer un groupement de gens et qui est quoi? Épargné. Oh, waouh! Souvenez-vous de mon émission de dimanche, que j'ai dit quoi? Nous étions tous esclaves, mais de l'esclavagisme de Jésus, Dieu avait jeté l'œil. Et la personne qui a jeté l'œil a trouvé qu'il y avait une belle femme parmi ses captives. Et lorsqu'elle a trouvé, elle commençait à s'attacher à cette belle femme. Comme elle avait un attachement à cette belle femme, elle devait maintenant amener cette femme quoi? Dans sa maison. Vous vous souvenez de cette situation de dimanche? Et c'est nous, bien-aimés, on nous a amenés dans la présence. On était des oliviers sauvages. Et nous n'étions pas des oliviers francs. Mais on nous a amenés, on nous a rattachés avec l'olivier franc. Maintenant, le diable connaît qu'il y a une prophétie. Bien-aimés, pourquoi parler? Je vous ai parlé côté église. Je récapitule rapidement côté église. Parce que je vous ai dit que non. Ce système de l'antichrist, la marque de la bête est déjà sur le front de beaucoup de gens et sur la main droite de tant de monde. Mais des fois, nous ne pensons pas parce que beaucoup, avec l'ignorance, beaucoup pensent qu'il y aura un cachet qu'on va commencer à le poser sur le front. Bien aimé, c'est simplement quoi? Des caractéristiques de comportement, bien aimé, les habitudes et que chacun de nous doit manifester qui ne sont pas en concordance avec la volonté de Dieu. Ce sont des signaux de la marque quoi, de la bête. Alors, bien-aimé, je vous ai expliqué, bien-aimé, le diable a compris que le monde est sous sa domination, mais il y avait un peuple dans le monde et qui n'était pas de ce monde et que le diable avait du mal à les avoir, à l'avoir. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Parce qu'il y a une prophétie dans le livre de Matthieu, chapitre, si je n'oublie pas, la Bible dit que non, les portes de séjour de mort ne pourront pas prévaloir contre elle, l'église. Alors, le diable sait que non, et les portes de mort, c'est le mal, et le diable, et tout ce qu'on sait, ne peut pas. Le diable a préféré quoi? S'infiltrer. Alors là, nous avions vu même Jude chapitre 4, Juge 1, le verset 4, bien aimé, Jude, n'a qu'un chapitre, Jude 1, verset 4, Jude 1, même si tu ne mets pas Jude 1, tu mets seulement Jude, tu mets le verset 4 parce qu'il y a un seul chapitre. La Bible dit que non, ils se sont infiltrés parmi vous, ils se sont glissés certaines personnes, certains hommes, dont la condamnation est déjà écrite. La Bible dit qu'ils se sont glissés. Quand ils se sont glissés, ils sont entrés parmi nous dans l'église, et ils ont pris l'apparence, les attitudes comme nous. Et au bien-aimé, ils les ont fait. Nous avions lu avec vous, même dans les livres de Néhémie, chapitre 4, le verset 5, et qui nous parlait même quoi? Ces adversaires, c'est là qu'ils ne croient pas notre Dieu, ces gens-là, ils ont dit que non, nous rentrerons, ils ne verront, ni ne seront, jusqu'à ce qu'on serait arrivé au milieu d'eux, on va commencer à les tuer un par un. Les tuer comment? Détruire notre confiance, détruire notre foi, prendre notre mental bien-aimé en esclavagisme, en les canalisant vers les habitudes mauvaises et qui nous éloignent de la vie éternelle. La vie en Christ, bien-aimé, c'est l'obéissance à Dieu. Nous détruit comment? Waouh, le homme de Dieu, Ricardo, que la lumière soit avec toi aussi, que Dieu te bénisse. Et tout ça. Détruit dans tous ces sens-là. Alors, et ces gens qui se sont infiltrés dans les églises, bien-aimé, avec un but. Le but, maintenant, ces gens travaillent le mental des gens. Je vous ai dit que non, ceux qui se sont infiltrés pour établir les règnes dominateurs, l'esprit de domination, bien aimé, comme c'est le mental qu'on doit travailler, ils ont utilisé des stratégies.
et des méthodes. Et ces méthodes qu'ils ont utilisées, bien aimé, les enseignements aussi parmi ces méthodes. Les enseignements. C'est ce que la Bible dit, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent. Pourquoi Dieu dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui enseignent? Parce que Dieu sait, par les enseignements, nous pouvons glisser des choses et qui peuvent égarer les gens. Alors ces gens, ils ont travaillé avec les enseignements. Quel genre d'enseignement? Les enseignements hérétiques, de l'apostasie complètement. Mais, et qui mettent le nom de Jésus simplement quoi? Pour séduire certaines personnes. Or, la Bible nous montre que non, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Quelle est cette connaissance? La connaissance de la personne du Christ. Connaître Christ. Bien aimé. Et maintenant, ces gens viendront, ils sont venus avec les enseignements, nous montrer que non, écoutez, pour détruire l'adversaire, pour combattre ton adversaire, il faut mieux les connaître. Ils nous commencent à nous faire plus asseoir dans les enseignements quoi? Sur quoi? Les démons qui de nous faire connaître plus la personne de Jésus. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La Bible n'a pas dit, vous connaîtrez votre adversaire et votre, vous serez libre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Connaître la vérité, c'est avoir la connaissance de cette personne, les savoir sur la personne, discerner la personne, savoir comment la personne agit. Et la Bible dit qu'elle vous rendra libre. Elle vous affranchira. La vérité, c'est un homme, vous le connaissez, c'est Jésus. Le moment où on le connaît, bien aimé, c'est alors que nous avions la garantie de la liberté, de la délivrance. Et la Bible dit, si le Fils de l'homme vous affranchit, on a dit bien, si vous affranchit, si vous connaîtrez, waouh, j'aime la parole. Et maintenant, dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre, bien aimé, 10, 3 en 5, la Bible nous montre que non. Si Dieu nous a donné les armes, bien aimé, Dieu nous a donné les armes pour pouvoir renverser les raisonnements. Et ces gens travaillent nos mentales par les enseignements. Et nous avons cru aussi à ces choses. Oui, bien aimé. Mais vous allez constater, tous ces gens et qui se lancent dans les enseignements où on dit simplement il faut connaître l'adversaire pour mieux les combattre, ces gens n'ont aucune connaissance approfondie sur la personne de leur sauveur, de leur maître, de leur seigneur. Mais ils ont plus la connaissance et sur ces choses. Je vous ai expliqué, bien aimé. Celui qui est enseigné par telle chose et finit par devenir la chose. Et aussi, bien aimé, nous sommes ce que nous apprenons. Waouh, waouh, waouh. Je dis un médecin, celui qui a fait la médecine, tout ce qu'il a vu, il finit par devenir médecin. Celui qui faisait le mécanique, qui finit par devenir un mécanicien. Celui qui faisait l'histoire, finit par devenir un historien. Je vous ai expliqué toutes ces histoires-là, bien aimé. Et alors, quelqu'un qui est beaucoup plus enseigné, qui apprend plus sur les démons, finit par devenir qui? Ah, quelqu'un me dira démoniaque. Ah, toi-même trouve le mot. C'est que le langage de mécanicien, bien-aimé, ne correspond pas avec le langage des médecins. Ils ont des langages différents. Chacun parle selon ce qu'il a appris et selon ce qu'il a beaucoup passé du temps. Bien-aimé, passons plus de temps à connaître Christ. Car à connaissant Christ, bien-aimé, c'est alors que ça, ces gens se sont infiltrés avec des enseignements qu'on ne peut pas même, bien-aimé, saisir. Et la Bible dit au verset 4, nous renversons des raisonnements dans 2 Corinthiens 10, 3 et 5. Et au verset 5, la Bible dit quoi? Nous renversons des forteresses. La Bible dit quoi? Nous renversons des forteresses au verset 4. Des forteresses. Ces gens ont placé des forteresses, bien aimé, au point que les gens qu'ils enseignent à ce sens-là, même si tu leur montres les choses, ces gens ne vont plus te croire. Ils vont trouver que non, tu dis n'importe quoi parce que tu ne comprends pas. Parce qu'on les a mis dans une miraille, bien aimé, à l'intérieur d'une miraille, pour que les choses de l'extérieur ni de l'intérieur puissent passer. Comme ça, les gens ne pourront pas les convaincre. Et Matthieu 23, verset 13 va intervenir. Matthieu 23, 13 va nous le dire quoi? Il me dit que malheur à vous, pharisiens, scribes et hypocrites. Hypocrites, vous fermez les portes des cieux. Vous fermez les portes des cieux, vous-même, vous n'y attirez pas. Mais vous empêchez même ceux qui veulent entrer. Ceux qui veulent quoi? Entrer. Ils empêchent ceux qui veulent entrer. Bien-aimés, il y a des églises, bien-aimés, des gens, bien-aimés. Voilà le temps que nous sommes, c'est le temps du discernement. Ce n'est pas le temps, bien-aimés, de s'enfoler de beaucoup de choses. Mais chercher à savoir, comprendre, bien-aimés, entrer dans la révélation. C'est quel temps que je dois être? Par où il faut aller? Je ne dois pas aller parce qu'il y a la séduction, bien-aimés. Ils utilisent beaucoup de méthodes, ces gens, à part les enseignements. Bien-aimés, il y a des musiques, il y a la beauté, ils mettent des la nourriture. Il y a tout le temps, il faut venir manger pour que vous soyez. D'autres, ils vous diront quoi? C'est l'évangélisation. Mais les gens ne viennent pas parce qu'on leur montre Christ. Les gens viennent plus parce qu'ils vont manger. Bien-aimés, nous voulons montrer le Christ. Les temps que nous sommes où les serpents est tenté de nous mordre, ce n'est pas le temps de chercher à plaire, à dire que non.
Ah, je ne comprends pas pourquoi on m'a mordu, il faut que je cherche des solutions, bien-aimé. Le diable, c'est ça, ce moment, et qui vient utiliser la méthode, bien-aimé, de te servir pour te conduire dans la direction mauvaise. Mais c'est le temps de lever notre tête, de regarder le serpent des reins qui est levé. Toute personne qui avait levé sa tête pour regarder le serpent des reins, cette personne est là, cette personne est là, elle a été sauvée. Waouh, fille en retard, je ne sais pas comment, et tout ça. Elle a été sauvée, cette personne-là. Que la lumière soit avec chacun de nous et tous ceux qui rentrent, bien-aimés, que Dieu vous fasse du bien. Continuez à partager cette émission, bien-aimés, à donner de la possibilité à nos bien-aimés, à plein de personnes, de venir quoi manger. Je cours, ah oui, allons-y, où vont des Corinthiens là, où vont des Corinthiens? C'est très important. Bien-aimés, nous récapitulons avec vitesse parce qu'on va clôturer. Je mets tout le monde à niveau, tout le monde à niveau, et pour rajouter les peu qui restaient pour cet enseignement. C'est très important. Je n'aurais pas peut-être à tout récapituler. Comprenez, ce sont des choses qu'on avait déjà vues. Vous pouvez de vous-même aussi retourner à l'intérieur et pour trouver cela dans nos pages Facebook. Bien-aimés, écoutez, des Corinthiens 10, à partir du verset 2, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Nous ne combattons pas selon quoi la chair? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes pour renverser quoi? On a dit pour renverser. Oh, waouh. Elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Bien-aimés, nous devons renverser des forteresses là où on nous a mis en prison pour qu'on ne puisse rien comprendre. La Bible dit qu'ils ont des yeux pour voir. Ils ne voient pas. Ils ont des oreilles pour entendre. Ils n'entendent plus. Bien-aimés, pourquoi? Parce que ces gens-là les ont tellement aveuglés, ont fait entrer au point que c'est bien aimé. Ils vous ont conduit au point de commencer à vous diviser, de pouvoir de vous fissurer et vous dire que non, on vous fait comprendre la connaissance de l'ennemi pour bien le déstabiliser. En réalité, l'ennemi, c'est lui qui vous déstabilise. Regardez bien, bien aimé, combien de familles sont divisées à cause de tels enseignements. Combien de gens n'aiment plus leur mère, leur père, tout ça parce qu'on les a dit. Or, l'évangile de la connaissance du Christ nous amène à aimer même ceux qui nous persécutent. Bien aimé, comment on n'arrive pas à aimer? Bien aimé, l'évangile du Christ dit que non, le monde saura que vous êtes de moi si vous demeurez avec l'amour, de l'amour du Christ. Bien aimé, l'amour, il n'y a plus l'amour. Et vous ne comprenez pas, ce sont des infiltrés qui sont venus mettre simplement la haine au milieu de nous, par les enseignements. La parole du Christ, bien aimé, Dieu ne chasse pas des sorciers, mais Dieu chasse la sorcellerie. Dieu ne déteste pas les sorciers. Dieu déteste la sorcellerie. Vous devez savoir que quand il est venu, il dit, je ne suis pas venu pour de bonnes personnes, mais je suis venu pour ceux qui sont mauvais. Ici, ils sont venus pour ces gens qui souffrent avec de telles maladies. La sorcellerie, la médecine, beaucoup de choses là, sont que des maladies et que Christ. Mais les enseignements qu'on donne, les liens et tout ce qu'on sent. Bien aimé, waouh! Si tu connais Jésus et tu marches dans sa volonté, la Bible dit, la Bible de Thessaloniciens, c'est ce que Dieu veut de nous. C'est notre sanctification. Du moment où tu mets les vies de sanctification, bien-aimé, tu deviens justifié. Et Dieu te protège. Tu es des dieux, bien-aimé. Je ne te mens pas. Cherche à beaucoup connaître Dieu. Comment pourras-tu connaître ton adversaire pour le vaincre si tu n'as pas la connaissance de celui qui peut te donner la pouvoir, la puissance plutôt, le pouvoir, celui qui peut te donner la force? Bien-aimé, je ne connais pas. Alors même si je connais l'adversaire, comment je pourrais le terrasser? Parce que je n'ai aucune connaissance. Jésus était lui-même la parole. Et c'était Dieu incarné, descendu. L'expression de l'amour vivant de Dieu sur la terre. Mais lorsque le diable s'est présenté à lui, Jésus n'a pas dit, moi je suis Jésus. Mais non, il a dit, il est écrit, bien aimé. La connaissance de la parole de Christ, c'est ce qui nous donne la victoire sur l'ennemi. Oh, waouh. Que la lumière soit. Hey, que le Dieu vous bénisse tous. Alléluia. La Bible dit maintenant, écoutez le verset 5 de ce livre. La Bible dit quoi? Nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements. Et ces gens, bien-aimés, ont mis de mauvais raisonnements dans nos têtes. Et ces raisonnements, bien-aimés, nous croyons marcher bonnement. Nous croyons être dans la vérité. Mais la vérité, c'est un homme, bien-aimés, et qu'on doit connaître. Fais ce bilan, bien-aimés. Beaucoup d'églises se remplissent du monde, mais beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens ne peuvent même pas, bien-aimés, défendre même Christ, même à 2 minutes, ni à 3 minutes. Bien-aimés, c'est étonnant, bien-aimés. Mais je vous dis, les gens disent que les gens prient beaucoup. Non, les gens ne prient pas beaucoup. Les gens fréquentent actuellement beaucoup d'églises. Mais les gens ne prient pas, sincèrement. Les gens ne prient pas. La Bible dit jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé. Christ, sans qu'on n'ait rien demandé. Les gens fréquentent. Et l'objectif de tous ces gens-là, bien-aimés, qui travaillent au compte de l'adversaire pour simplement établir les règles de domination. D'autres sont conscients.
d'autres ne sont pas conscients. D'autres sont ignorants de ce qu'ils font sans qu'ils sachent parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés. Pourquoi? D'autres, c'est les envies. Je vous ai dit dans le livre de quoi? Philippiens chapitre 1, verset 15. Les raisons que ces gens, certains sont séduits et sont conduits par l'ennemi et qui se sont laissés sous la direction de l'adversaire pour être dirigés. Je vous ai dit quoi? Des raisons, c'est quoi? Les envies et quoi? Et oh, wow! Et la rivalité des choses. Bien aimé, la Bible dit dans Philippiens chapitre 1, verset 15, notez parce que moi, je le dis simplement comme ça dans la bouche. La Bible dit que, il est vrai que certains prêchent. Il est vrai que certains prêchent par envie. Il est vrai que certains prêchent par envie et par rivalité. Par envie et rivalité. Les envies, bien aimés, ce sont des issues, ce sont des portes, ce sont des brèches et qui ont fait qu'au milieu de nous, de l'église, bien aimés, que les diables puissent s'infiltrer, puissent se faufiler. Comme les diables ne pouvaient pas, n'avaient pas la clé pour ouvrir la porte de l'église, il s'est glissé, il est maintenant parmi nous en attente, dans la pensée, bien aimés, de commencer à nous tuer un par un. Il nous tue maintenant par ceux-là qui nous dirigent. Il nous tue maintenant par des diables, par des amis, par des frères et ceux qui sont dans nos églises. Venez chez nous. Il y a ceci, il y a cela. Bien-aimé, Christ a dit, on vous dira, viens ici, il y a un Christ là-bas. Venez, n'y allez pas. N'y allez pas. Bien-aimé, le temps dans lequel nous sommes, c'est le temps du revêtement de Christ. On doit revêtir Christ. On doit l'habiller, bien-aimé. Comme le soleil qu'on doit couvrir, qui est la bonne lumière. On doit prendre la fausse lumière des miracles, des faux miracles. Et tout ce qu'on sort, bien aimé, on va le mettre sous nos pieds. Bien aimé, celui qui connaît Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi, Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez quoi que ce soit, je vous l'accorderai. C'est par là que nous devons comprendre que, bien aimé, ceux qui ont des envies, c'est à cause de cela que vous êtes séduits. Parce que ceux qui ont la rivalité, bien aimé, imagine quelqu'un qui veut prouver l'autre. Mais il a la facilité d'être introduit dans l'initiation, dans le mal, dans les péchés et l'esprit de domination contre tout cela. Le diable les met pour amener tout le monde quoi, avec lui à la perdition. Bien aimé, sortons du contrôle du monde des ténèbres. Sortons de tout ce système, bien aimé, qu'ils ont établi. Là, on était. Et malheur, et ces gens, bien aimé, pourquoi? D'autres connaissent la vraie vérité. D'autres connaissent la vraie vérité, mais ils retiennent la vérité pour captive. Nous sommes des livres de Romains pour voir cela parce que, bien aimé, j'avais déjà lu avec vous. Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La Bible dit quoi? La colère de Dieu se révèle. La colère de Dieu. Romains 1, 18. Je lis simplement 18. 18 à 19. Je lis 18 à 19. Écoutez cela. La Bible dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. On dit impiété. Pourquoi impiété? Les systèmes de l'impiété, les semences de l'impiété. Toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement, la vérité captive. Qui retiennent injustement la vérité captive. La colère de Dieu se révèle. Pourquoi? Car ce qu'on peut connaître de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu les a quoi manifester. Bien-aimés, la colère de Dieu, ces gens retiennent la vérité. Ils ne veulent pas nous enseigner la vraie version de la parole. Ils nous enseignent des choses et qu'ils ont été et qu'ils ont reçues de l'autre côté pour simplement permettre à l'adversaire. D'autres assoiffés par des envies, d'autres inconscients. Ils sont déjà manipulés dans leur mental et ils exercent des choses sans savoir que non, ils sont déjà au compte du diable sans qu'ils le sachent. Pourquoi? Parce qu'à cause d'aimer le monde, 1 Jean 2, 15 à 17. La Bible dit, n'aimez point le monde. Pour ceux-là qui ont les envies, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'appartient pas à lui l'amour pour le Père. Bien-aimé, n'aimez point le monde. Le monde et ses convoitises passeront. Car le monde, les convoitises des yeux et de la chair, la Bible dit, ne viennent pas du Père. Ne viennent pas du Père. Et toutes ces histoires, la Bible nous les certifie, bien-aimé. C'est le temps pour toi. C'est ainsi que Colossiens dit, le chapitre 3, verset 1, va nous expliquer, bien-aimé, quoi? Va nous dire que non. Et que si réellement nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes sauvés avec Christ, nous devons fixer bien nos regards, bien-aimé, aux choses qui sont en haut. Les choses qui sont en haut. Là où est assis à la droite du Père, notre Maître, notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, quel est celui de Dieu? Bien-aimé, ne marche pas selon le système de ce monde, marche selon le système du ciel. Aïe! Que la lumière soit bien aimée. C'est le temps de comprendre et sortir dans ces dominations.
j'avance. Bien aimé, j'avais tout dit cela parce que nous récapitulons et nous avançons pour clôturer. Après, j'avais dit que non, nous avions vu Apocalypse chapitre 13, n'est-ce pas? On était à l'Apocalypse chapitre 13, nous avions expliqué quoi? Et d'abord, à partir du verset 11, on a parlé du système quoi, de la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre et qui avait des cornes semblables à celles d'un agneau, l'apparence. Nous avons dit que c'est un système religieux. L'Illuminati, bien aimé, l'Antichrist, c'est l'esprit de domination et rentre aussi à nous dans l'apparence. Bien aimé, nous avons l'apparence. Nous croyons plus en l'apparence. Ce sont des séducteurs. Pourquoi cette apparence? Pour séduire, pour mettre la confusion dans les esprits des gens. Et pour dire que, mais non, elle m'a séduit, mais regarde, il m'a dit quelque chose, il m'a prophétisé, la chose s'est accomplie, bien aimé. Toute prophétie qui s'accomplit ne veut pas dire nécessairement c'est la prophétie qui vient de Dieu. Les diables, c'est un séducteur. Lisons même vous-même le livre de Matthieu, ou de Genèse plutôt, chapitre 3. Et vous avez dit, ce que le diable avait dit à l'homme et la femme, il a dit quoi? Le jour que vous mangerez, et quand vous mangerez ces fruits, vos yeux s'ouvriront. C'était vrai ou faux? C'est vrai, parce qu'ils ont vu qu'ils étaient nus après. Mais c'était vrai ou bien aussi? Mais cela ne veut pas dire qu'il y a la véritable prophétie. Quelqu'un m'avait dit que non, pasteur. La Bible dit qu'on reconnaît un vrai prophète lorsque sa prophétie, ça s'accomplit. On reconnaît un vrai prophète lorsque sa prophétie s'accomplit. Laisse-moi parler de soi, parce qu'il y a un moment de parler trop vite. Et mais comprenez, parce que dans cette séance, je suis obligé d'aller vite parce que 14 séances les récapituler pour clôturer aux 15e séance, c'est pas si facile. L'air aussi nous prêche, nous presse, bien aimé. Vous comprenez, voilà pourquoi je parle avec cette vitesse de langage. Et comprenez, et me saisissez parce que je pense que vous comprenez. Flon en bas, waouh, en tout cas, Flon en bas, réveille-toi. On peut pas servir Dieu à cette façon, réveille-toi. Et tout ça. Et écoutez, c'est super formidable. Et maintenant, la Bible dit que non, et la puissance, et la deuxième bête exercera le pouvoir de la première bête, et par des signes, des prodiges et miracles, bien aimé. Tout cela pour le but aussi de pouvoir se dire. Pasteur Emmanuel Toumi, que la lumière soit avec toi. Mes respects. Quand je vous vois, ça me réjouit aussi. Continuez. Et partage-nous cette émission, Dieu te bénira aussi, Pasteur Emmanuel Toumi. Et tout ça. Et puis, est-ce que vous comprenez cela? J'attends encore ton invitation, Pasteur Toumi, pour décortiquer dans l'autre mission qu'on devait faire ensemble. Et tout ça. Et c'est très, très important. Bien aimé, nous devons nous réveiller en ces temps. Et pas de miracles. Bien aimé, les gens disent, mais non, les miracles. En réalité, un véritable enfant de Dieu ne court pas derrière les miracles. Les miracles n'ont pas été créés. Les miracles n'existent pas pour qu'on court derrière. Les miracles, ce sont des choses que Dieu met à notre disposition pour nous accompagner. Waouh! Vous le savez, Marc chapitre 16, verset 17, si je n'oublie pas. Marc 16, verset 17, la Bible dit quoi? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront. Bien aimé, tout celui qui court derrière les miracles, c'est une personne et qui n'a aucune connaissance. Et du moment où tu n'as pas la connaissance, le diable aime bien exercer son pouvoir dominateur sur des personnes qui sont ignorantes et qui n'ont aucun savoir. Bien aimé, et qui n'ont aucune connaissance de qui ils sont et de ce qu'on les a donné et de ce qu'ils ont comme pouvoir. Bien aimé, à connaître Christ, tu sauras qu'est-ce que Christ a fait pour toi. La Bible dit, si vous demeurez en moi, c'est le problème parce que les gens ne veulent plus demeurer en Christ. Demeurer en Christ, c'est rester dans ses enseignements. Rester dans la connaissance, approfondir, à connaître plus la personne. La personne, bien aimé, nous irons vivre avec lui. La personne avec laquelle on vivra éternellement. La personne qui demeure à nous, la personne qui nous a rendus libres. Qui vous dit n'importe quoi de connaître plus l'adversaire? Ce sont que des mensonges. Ce sont que des mensonges, bien aimé. Ils ont l'apparence de la piété. La Bible dit quoi? Ces gens-là entrent aussi dans les maisons de certaines femmes qui sont remplies de péchés et de passions quoi varier. Bien aimé, des femmes, vous les femmes, c'est le temps de vous réveiller. Vous avez été dipés pour la première fois dans les jardins et vous continuez jusqu'à aujourd'hui avec cette chose. Malgré que par vous, le Seigneur est venu, mais vous devez vous réveiller. Vous devez vous réveiller à comprendre que non, 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 non. Parce que vous avez tellement de passions. Moi, je veux les mariages. Parce que tu veux les mariages. Regarde combien de gens, bien aimé. Beaucoup de gens abandonnent même la foi dans ces temps, simplement pour les mariages, pour les choses comme ça. Je laisse Dieu entre. Bien aimé, tous ceux que vous voyez là resteront ici. Les mariages, c'est ici. Il n'y a qu'un seul mariage, tous auprès d'un seul mari. Et la Bible dit que cette femme
vont crier auprès d'un homme pour dire qu'ils veulent porter son nom. Vous vous souvenez de cet enseignement? Voilà, nous voulons porter un nom. Mais qu'est-ce que vous entendez ici? C'est le temps de vous réveiller. Et c'était, on y va, 2 Corinthiens chapitre 3, pour voir que pour, la Bible parle de ces femmes remplies de base. Au point que les gens entrent à vous pour vous retenir en captivité. Parce qu'ils ont déjà trouvé en vous. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Ah, c'est là, je suis arrivé, bien aimé, c'était très très important. 2 Timothée 3, à partir du verset 6. La Bible dit quoi? Il en est. Vous pouvez commencer à 5 pour voir que ces gens ont plus de l'apparence. En fait, la Bible dit quoi? Écoutez, j'aime ça. Vous lirez 5 à 7. 2 Timothée 3, 5 à 7. Notez-les pour que ça serve aux autres. La Bible dit quoi? Ils garderont la forme extérieure de la piété. Ces gens, ils ont la forme extérieure de la piété. Vous croyez simplement à eux. Malheur à vous qui avez confiance à l'apparence des gens. Bien-aimés, heureux ceux qui marchent avec le discernement des esprits. La Bible dit, mais ils arraigneront la puissance. Éloigne-toi de ces hommes-là. La puissance, c'est quoi? C'est la transformation du cœur. L'évangile qui entre. Et ces gens, ils vont faire semblant. C'est-à-dire que Ésaïe chapitre 29, verset 13, et aussi Matthieu, va nous le dire qu'on a ces peuples m'honorent simplement de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur, ils sont loin. Parce que la force, le cœur. C'est ce que la Bible nous recommande à Proverbe 4, 23, que j'aime beaucoup, et gardez vos cœurs. C'est très, très important. Et maintenant, le verset 7 de la Bible dit quoi? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent, vous entendez, et qui captivent certaines femmes. Chargé de péché. Parce qu'il y a des femmes chargées de péché. Tellement de désirs. Moi, je vais marier. Moi, il faut ça. Il faut que j'ai l'argent. Moi, il faut que cela. Vous voulez. Mais tellement c'est comme ça. Oh, chargé de péché, c'est que les portes de solution, de domination sont déjà ouvertes. Et la Bible dit quoi? Chargé de péché, j'aime ça. Chargé de péché. Et agité par des passions quoi? Variées. Elles apprennent toujours sans pouvoir. Jamais arrivé à la connaissance de la vérité. La vérité, je le dis, c'était non. Ces gens, jamais arrivé à la connaissance de la vérité. Voilà pourquoi elles vous apprennent sans complication. Parce que vous êtes chargé de péché. Vous êtes chargé de passion. Mais tellement ma pensée, les kiyomingi. Comment ma cause, c'est bouillotée. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis même dans l'occultisme pour voir. Le colo ma pensée. Quand on est tellement rempli de désirs, de passions, de beaucoup, chargé de désirs. Bien-aimé, on est facilement séduisable. On peut te séduire si facilement. Je regarde le temps parce que c'est très chaud là. Oh, wow. C'est aussi que dans Thessaloniciens chapitre 2, article verset 9, la Bible dit. Et maintenant, bien-aimé, la Bible n'est pas de Apocalypse 13 là, 11 où tu descends. Et maintenant, Apocalypse 2, chapitre 2, le verset 9 descend jusqu'au verset 12. La Bible nous parle que la puissance de l'Esprit se manifestera par de diverses sortes de miracles. Mais qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se passer parce que Dieu, puisque beaucoup de gens n'ont pas aimé la puissance de la vérité, la parole de la vérité, l'enseignement de la vérité, Dieu leur envoie l'esprit de garement. Ne fais-tu pas partie des gens que Dieu envoie l'esprit de garement? Parce que toi, tu aimes plus qu'autre chose. Oh non, je ne vais pas, quand on prie pour toi, on fait sortir ceci, on peut faire sortir cela. Bien-aimé, c'est Christ seul. La Bible dit, si le Fils de l'homme t'a franchi, tu seras réellement libre. La seule chose, bien-aimé, demeure en lui. Et Dieu te bénira. Alors ce système, bien-aimé, partons, parce que prenons la deuxième bête, bien-aimé, prenons la première bête, parce qu'on n'a pas le temps. La première bête, c'est celle qui monte, qui monte de la mer, parce qu'on va finir là, je récapitule tout ça. 14 séances récapitulées, bien aimé, c'est pas facile. Vous voyez comment je cours là. Mais heureusement que l'homme s'en parle lui-même dans ma bouche avec tous ces versets là. Je ne pouvais pas tout retenir, mais grâce à Dieu et tout ça. Et bien aimé, la première bête, et qui est Apocalypse 13 à partir du verset 1, la Bible dit que, non, j'ai envie une bête qui montait de la mer, qui montait de la mer. Et bien-aimé, et qui lui prenait son pouvoir à qui? Au dragon. Au dragon. Mais la deuxième bête qui commence à partir du verset 11, je vous ai dit que non, elle décolle semblable à celle de l'agneau, mais quand elle ouvre sa bouche, bien-aimé, ce qui sort, c'est la voix du dragon. La voix du dragon, ce sont les enseignements.
Ce sont des paroles que les hommes de Dieu nous donnent, mais qui n'ont aucun intérêt pour Christ, et qui n'ont aucun intérêt pour notre salut, qui n'ont aucun intérêt pour notre repentance, et qui engagent simplement leurs intérêts. C'est ainsi qu'ils prêchent, ils font ces histoires pour remplir simplement leurs bâtiments, mais ils ne nous conduisent même pas. Ils ne nous conduisent pas à Christ, mais ils nous conduisent vers leurs églises, leurs bâtiments, pour que nous remplissions cela, et pour qu'ils y fassent un nom, qu'on les appelle des grands pasteurs parce qu'ils ont des foules, pour pouvoir nous exploiter. Bien-aimés, dans les temps que nous sommes, si personne ne te montre l'agneau, quitte cette personne. Ce n'est pas le temps, bien-aimés, de regarder de gauche à droite. Ce n'est pas le temps d'autre chose de chercher de gauche à droite des miracles, bien-aimés, parce que les miracles vont te suivre. Cherche l'agneau. Parle comme Isaac. Où est l'agneau? Alors maintenant, la première bête qui donne le pouvoir à la deuxième bête, qui est un système politico-économique, bien-aimés, qui dirige et qui la deuxième bête va chercher la force auprès d'elle, et c'est la première bête, c'est l'Antichrist, et qui prend sa force auprès du diable lui-même, bien-aimé, a établi beaucoup de choses. Et alors, comment il fonctionne? Je vous avais dit, cette deuxième bête, bien-aimé, travaille par des systèmes, quoi, ils ont créé, et la première bête, là, a créé, quoi, des systèmes, bien-aimé, des sociétés secrètes. Les sociétés secrètes, comme les organisations secrètes, bien-aimé. Des sociétés secrètes, ce sont, bien-aimé, des sectes pernicieuses, et que le diable a été mis, bien aimé, pour simplement arriver à contrôler la terre et à préparer l'arrivée de la personne, de la bête qu'on appelle l'Antichrist. Et excusez, il y a une personne qui appelle, bien aimé, arrêtez d'appeler pendant qu'on fait l'émission, c'est pas bien, parce que ça va déranger les gens qui mangent, on est à table, c'est pas l'air de m'appeler par messenger aussi. Donc il faut pas le faire, et tout ça. Je dis quoi? Et cette première bête, qui n'est qu'un système économico-politique ou politico-économique, et qui exerce le pouvoir directement du dragon, le pouvoir du diable lui-même, alors fonctionne sur la terre avec un système. Parce que pour avoir le contrôle de tous les habitants de la terre, pour tous les habitants de la terre de prosterner à elle, et tout ça, il faut mettre des organisations. Mais quelles sont les organisations? Parce que le diable n'est pas l'omniprésent. Vous savez que le diable n'est pas partout comme Dieu. Alors maintenant, ils ont créé des sociétés secrètes, comme les organisations secrètes, et qui sont des sciences occultes, et pour simplement, bien aimé, pouvoir quoi gouverner. Ah, parmi des organisations secrètes, bien aimé, et des formations et consorts, il y a une organisation secrète que je vous ai dit qui se lève subtilement et qui est tellement puissante, et c'est l'Illuminati. L'Illuminati, bien aimé, et qui a pour but, comme je vous ai expliqué, qui a pour but, bien aimé, de prendre le contrôle de tous les habitants de la terre. De tous les habitants de la terre. Ah, pour mieux le faire, bien aimé, il faut prendre des quoi, gérer tous les systèmes politiques du monde. Gérer tous les systèmes politiques du monde au point qu'ils se sont introduits, bien aimé, dans des gouvernements, les gouvernements du monde, bien aimé, pour pouvoir gestionner. Et s'ils remarquent que dans ces gouvernements, il n'y a pas, sur la tête, il n'y a pas un d'eux, ils provoquent des choses, bien aimé, comme quoi, comme des attentats. Ils provoquent des attentats, ils provoquent des rébellions pour simplement arriver à établir ces gens. Et quand ils établissent leurs gens, bien-aimés, même si vous allez remarquer que les gens qui sont les leurs, ceux qui sont les leurs, bien-aimés, même s'ils ne conduisent pas bien, ils ont toujours la main de protection sur ces gens-là parce qu'ils font partie de leurs quoi, organisations secrètes, leurs situations secrètes. Ils dirigent, bien-aimés. C'est ce qu'aujourd'hui, ils disent que non, ils sont les maîtres de la terre, les maîtres du monde. Ils ont invoqué un système quoi, de la nouvelle, le nouvel ordre mondial, bien-aimés. Et ils pensent maintenant à mondialiser le monde pour mélanger les cultures. Dans tout ce but-là, bien aimé, simplement quoi? Pour effacer à l'homme les règnes du Christ sur la terre. Pourquoi ils font cela dans ces derniers temps? Le diable se multiplie parce que le diable veut récupérer le contrôle de toutes choses et nous amener. Parce que quand Christ est venu, la Bible dit que le royaume de Dieu est venu sur terre, ce qu'on appelle le royaume des cieux. Et le royaume de Dieu est venu sur terre, le diable était mécontent. Vous avez vu la bataille et la bagarre qui avait eu lieu et comment tout était devenu noir parce que Christ avait écrasé le diable avec tous ses pouvoirs, toutes ses dominations. Alors, mais ce type n'est pas contrôlable. Au point que si vous lisez dans les livres bien-aimés de l'Apocalypse, vous verrez que non, la première bête, non, là, il y avait une blessure, et cette blessure commence à se cicatriser. Pour ne pas vous évoquer l'Italie, évoquer beaucoup de systèmes, et je vous parle à ce système-là pour vous amener, c'est pas pourquoi. Alors, ils mettent des organisations secrètes, des sociétés secrètes et qui gouvernent. Bien-aimés, pour entrer, pour monter dans le monde, pour aller plus loin, ces gens gèrent toutes ces histoires-là. Ils sont dans les politiques, ils sont aussi dans les systèmes religieux, comme je veux parler, il y a des embêtes. Ils gouvernent aussi nos églises aujourd'hui, bien-aimés, et à cause de nos... Oh, je sais plus. Nous sommes embêtés par l'appel de quelqu'un, je ne sais pas si la personne fait exprès.
Et elle voit que nous réalisons et nous appelle toujours par Messenger de Facebook et que Dieu l'aide quand même pour qu'il puisse nous laisser finir et tout cela. Et waouh, waouh, que la lumière soit. Bien-aimé, je vous ai dit que ces gens, bien-aimé, laisse-moi finir rapidement. Je préfère mettre un peu la Bible comme ça pour partir vite parce qu'il est déjà le temps. Et bien-aimé, alors, ils ont établi des sociétés comme l'Illuminati. L'Illuminati dirige, bien-aimé, le système politico, il dirige aussi les finances. Vous avez vu vous-même, bien-aimé, pourquoi il dirige aussi les finances? Même les banques que vous voyez, bien-aimé, au-dessus d'eux, il y a des sociétés secrètes. Il y a des sociétés secrètes qui dirigent cela. Alors, pour nous mentir, pour que nous dépendions d'eux, ils veulent nous amener à dépendre d'eux. Parce que quelqu'un qui était esclave dépend d'une autre personne. Il veut que nous dépendions d'eux. C'est eux qui gèrent. C'est ce que vous voyez, bien-aimé, même l'Afrique comme on est là, à chaque problème, bien-aimé, nous revenons auprès des multinationaux. Ce sont des personnes qui décident même le nombre des habitants de la terre et qui provoquent d'autres troubles, d'autres guerres, d'autres maladies, d'autres épidémies. Ils injectent, bien-aimé, simplement parce qu'ils doivent le faire comme ça, pour des sacrifices. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimé, vous devez savoir qu'il y a dans ces sociétés secrètes, ils continuent à sacrifier des gens. Vous entendez des informations, d'autres enfants disparaissent, bien-aimé, au point que jusqu'à la fin, on ne les retrouve plus et les dossiers s'enterrent comme ça. Parce qu'ils continuent à gérer. Bien-aimé, les diables travaillent et les enfants de Dieu sont endormis. C'est ainsi que la Bible dit dans Romains 13, la Bible dit, réveillez-vous enfin du sommeil. Réveillez-vous enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que nous dormons et l'ennemi travaille. Ça, c'est l'histoire complètement de l'histoire de qui? De Salomon, de deux femmes. Dont l'une dormait, l'autre s'est réveillée, son enfant était mort, a changé. Bien-aimé, les diables changent. Bien-aimé, la vie que nous menons aujourd'hui, si on regarde, ce n'est pas notre vie. Nous menons la vie imposée par les systèmes de société quoi, secrète, par les forces d'Illuminati et que nous marchons avec cela. Je vous explique rapidement parce que nous sommes à la fin de cet enseignement. Bien-aimé, c'est tout ça. Il y a tellement de choses, bien-aimé. Il y a des forces maléfiques, bien-aimé. Alors, ils sont dans les églises, bien-aimé. Ils dirigent beaucoup de théologiens qui ont écrit, bien-aimé, des versions bibliques. D'autres sont de quoi? D'autres sont les occultistes. Hein? D'autres sont les occultistes, bien aimé. Je vous le dirais. Parmi les théologiens, et que vous voyez les théologiens ecclésiastiques, d'autres sont des occultistes qui ont écrit d'autres, qui ont traduit d'autres versions. C'est ce que vous allez remarquer dans d'autres versions. Bien aimé, il y a des modifications, des choses pour que tu n'attires pas attention. Il faut être connaisseur de la parole. Il faut que tu. Voilà pourquoi la Bible dit Apocalypse chapitre 13, verset 15. La Bible dit quoi? Quand vous venez, l'abomination de la désolation s'installer dans les lieux 13, d'autres ont prophétisé le prophète Daniel, s'installer. La Bible dit que le lecteur fasse attention. Bien aimé, maintenant, quand tu lis la Bible, il faut bien lire ça minutieusement, vérifier. Si tu as un pasteur à qui tu as confiance, va des fois vérifier auprès de ce pasteur. Demande au pasteur, je lui dis, est-ce que c'est tellement comme ça? Pour qu'on puisse vous aider. Parce que ces gens sont partout dans tous les systèmes du monde. Ils se sont installés pour nous conduire. Ils ont vendu leurs âmes. Dans la musique, ils sont là. Bien aimé, je regrette pour certains chrétiens, surtout les Africains, qui continuent à demeurer dans sous-développement mental aussi. Je dirais que non, moi je n'écoute pas la musique congolaise parce qu'il y a, les mal, parce qu'il y a les mal. Mais j'écoute la musique, les slow des blancs. Qui te dit que les slow des blancs ne sont pas mauvais? Bien aimé, tous ceux qui n'en ont pas Dieu, il ne faut pas l'écouter. Il y a l'infiltration du diable. Même si une personne dit que je n'ai pas été prendre la magie, bien aimé, mais le système mental de cette personne, tu sais pourquoi une personne doit chanter pour un homme, pour une créature. Lisez Romains chapitre 1, descendez. Mais, qui ont changé la vérité, qui ont remplacé, hein, bien-aimé, Romains chapitre 1, le verset 25, et qui ont remplacé la vérité de Dieu au mensonge, en adorant la créature au lieu d'adorer le créateur. Mais vous ne comprenez pas quand quelqu'un se met à adorer la créature au lieu d'adorer le créateur. C'est déjà un esprit de domination. Mais moi, je n'ai pas les filles, je chante comme ça pour Dieu. Je chante simplement comme ça. Bien aimé, toute chanson qui n'honore pas Dieu, crois-moi, il y a déjà les sceaux du mal. Et qui ont changé. Bien aimé, je vais lire parce que vous pensez que je dis des choses. Parce que l'homme, ça n'en parle à ma tête, il connaît ce qu'il dit. Hein, et tout ça. Bien aimé, c'est très important. La connaissance sauve. Je vois des gens, non, lui, moi, je le connais bien, il ne pratique pas, ça me donne des conseils. Mais c'est la séduction, ça. Quelle chanson, la Bible dit, que tout ce qui respire loue l'Éternel. La Bible dit, ça doit louer. Écoutez la partie du verset 25, la Bible dit quoi? Et qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur.
Est-ce que vous comprenez? Tout celui, même s'il dit que non, mon angangate, n'a la fraticité, mais si il adore la créature, il y a le sceau du malin. Il y a le sceau du malin. Bien aimé, il faut comprendre. Ne chantez pas ces choses. Même si c'est ton cousin que tu sais, même si c'est ton chéri, même si mais puisqu'il adore la créature, cela montre directement il y a la puissance, l'esprit de domination qui conduit. Je dis que d'autres sont ignorants qui sont déjà mandatés par le diable, sans que même qu'ils le sachent. Il faut maintenant les bons enseignants, les envoyés de Dieu, ceux qui ont le sceau de l'homme sans nom, commencent à parler comme des Corinthiens. 17 dit quoi? Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Il faut qu'on amène les gens à l'obéissance au Christ. Il faut quitter, bien-aimé. Oh, que Dieu nous donne la force, qu'il me donne encore la connaissance et qu'il me donne la crainte de Dieu pour que je sois un modèle, pour aider les autres à sortir, bien-aimé. Yes, que la lumière soit. Bien-aimé, ils sont partout. Ils sont entrés, bien-aimés. Ils contrôlent les médias du monde. Ils veillent sur les informations, bien-aimés. Toutes les informations que nous suivons dans le monde. Et les gens disent, oh, comment il n'y a pas la vérité. Bien-aimés, même les informations que vous voyez ici, même en Occident. Ces gens-là gèrent les informations pour que nous marchions comme ils veulent. C'est eux qui censurent les informations. Ils veulent nous connaître, bien-aimés. Nous marchons du matin au soir, bien-aimés. Toute ta journée est programmée par ces gens. Ils nous ont programmés. Ils nous ont programmés, bien-aimés. Ils nous canalisent. Ils nous font marcher à leur direction. Nous faisons des choses comme ils le veulent. Mais simplement, j'aime Jésus a dit, comme on a lu tout à l'heure avec vous. Comme on a lu dans Jean 17. Jean 17, à partir du verset 12, 11 plutôt. Jésus a dit que nos pères, pendant que j'étais avec eux, c'est moi qui protégeais. Maintenant, je m'en vais à toi. Je ne prie pas pour que tu puisses les ôter. Mais garde-les. Que Dieu nous garde, bien-aimés. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Il faut qu'on soit protégé. Mais tous les jours de ta vie, quand tu te lèves, tu marches, tu sors. Dis Dieu, protège-moi. Protège-moi parce que, bien aimé, ils décident, ils envoient des esprits de mort de gauche à droite, bien aimé. Certains de nos accidents, ce sont des choses canalisées. Vous attendez un bus et tomber là-bas. Oh, tout ça, les enfants sont morts. Tel groupe est mort, la vie est tombée. Mais quand ils ont besoin de sacrifices, bien aimé, ceux qui ne sont pas protégés tombent dans ces pièges. Oh, que Dieu nous garde, que quelqu'un me dise alléluia. Ils sont dans les banques, bien aimé. Ils nous donnent des découvertes facilement. Ils nous poussent au système de crédit. C'est eux qui dirigent le système monétaire du monde, bien aimé. Ils dirigent le système monétaire. Ils programment, bien aimé, ça. Et bien aimé, les pénuries. Ils mettent, bien aimé, quoi? Un état en faillite pour que vous vous inclinez envers eux. C'est ce que comprenez, bien-aimés. Ils mettent sur la tête des gens qui peuvent les faciliter, bien-aimés, à contrôler même quoi, les systèmes financiers de votre pays. Parce qu'ils savent que si la crise entre dans un territoire, ils peuvent pousser tout le monde à entrer dans les sciences occultes. Regarde au Congo, plus il y a la pauvreté, plus les gens se donnent aux sciences occultes. Vous ne comprenez pas que les temps que nous sommes, nous devons nous réveiller. Ils mettent les gens en difficulté. Combien de gens, quand vous êtes en difficulté, bien-aimés, toutes les propositions, ça vient bonne, quoi, accepter. Tu diras quoi? Parce qu'ils cherchent la solution. Partout, on va me demander d'aller. Je vais aller parce que je vais simplement trouver la solution. Pourquoi? Parce que le diable sait que l'homme est un homme faible. L'homme, quand il commence à s'affaiblir, il perd facilement la foi. C'est ainsi que la Bible nous dit à 1 Corinthiens chapitre 1 Timothée chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1, quoi. Hein? Dans, l'Esprit dit expressement, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront quoi? La foi. On dit plusieurs abandonneront quoi? La foi. S'attacheront aux enseignements des démons. Bien aimé. Aux doctrines des démons, aux esprits séducteurs. Et les gens se laissent séduire par des gens. Bien aimé, Luc chapitre 18, notez-les, Luc chapitre 18, verset 8, la Bible dit quoi? Quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi? La Bible pose la question, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il? Le but de ces gens, bien aimé, nous éloigner de Dieu, qu'on ne croie plus à Dieu. Qu'on croie au diable et que c'est lui qui est capable de tout résoudre. De donner confiance à eux. De les trouver comme les maîtres. Nous sommes les maîtres du monde. Il se nomme les maîtres du monde. Pour que nous croyons à eux. Pour que nous donnions confiance à ce que ces gens nous disent. Mais pourtant, bien-aimés, nous avons un Dieu. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai jamais. Bien-aimés, continuez à croire. C'est ainsi que la Bible dit, celui qui persévère.
persévérera. Pourquoi Dieu dit persévérera? Dieu sait qu'il y aura des conditions difficiles. Il y aura des tentations. Il y aura de la séduction. Pourquoi il dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde. Parce qu'il sait que la séduction deviendra de plus en plus forte. Mais la séduction deviendra de plus forte. Plus forte. Au point que, bien-aimé, nous lâchons prise. On n'arrive plus, bien-aimé. Regarde côté média, bien-aimé. Vous voyez comment ils prennent notre temps. Notre temps de concentration. Ils veulent simplement désorienter nos pensées vers le Seigneur. Pour, bien-aimé, ne pas avoir le temps pour Dieu. Ils ne veulent plus qu'on ait le temps pour Dieu, bien-aimé. Ils ne veulent plus. Ils prennent le temps dans les médias, bien-aimé. Toutes ces émissions que vous voyez dans les émissions. Les programmes télé qu'ils mettent. Bien-aimé, tout est bien planifié. Tout est planifié pour nous occuper, pour contrôler nos mentales. Combien de gens peuvent penser le temps? Vous pouvez passer le temps à regarder la télé du matin au soir, sans pourtant vous fatiguer. Mais quand vous dites simplement lisez la Bible, quand on met quelque chose, ah, ça ce sont des bêtises. Tu vois des choses des bêtises, mais tout ce que tu vois à la télé, quoi tu sont de vérité? Les informations qu'on vous donne du matin au soir, quoi tu sont de vérité? Oh, il y a la guerre en Irak au sort. Bien, ce sont des manipulateurs pour gérer le monde. D'où tous ces gens-là, oh, de Saddam Hussein, oh, de Barack, et tout ça, bien aimé, et ceux qui sont morts là, de Al-Qaïda là. Mais ce sont les gens qu'ils ont utilisés. Ils nous prennent, bien aimé, parce qu'on a des yeux pour voir, on ne voit pas. Et la Bible dit que les gens de ces cieux sont plus intelligents que les enfants de Dieu. Bien aimé, parce que vous ne voulez pas comprendre. Bien aimé, retournons au Seigneur. Retournons. L'une des chansons de l'album Le Retour vient nous sauver. Ça veut dire retournons. Ça chante qu'on doit retourner dans le Seigneur. Bien aimé, c'est le temps de faire le retour à notre Dieu, à la connaissance de la parole. Bien aimé, ils nous ont conduits au sentiment, au plaisir. Bien aimé, pour simplement nous éloigner de Dieu. Bien aimé, combien de gens restent à la télé du matin soir? Bien aimé, ils ont utilisé le système de communication, mais des portables. On devient dépendant de ces choses. Il nous a imposé un système, bien-aimé. Ils te diront que ton rendez-vous, je t'enverrai par le téléphone pour vous pousser à avoir simplement ces histoires. Bien-aimé, nous restons. Combien de temps quelqu'un peut parler avec les gens? De temps en temps, ils touchent au téléphone. Bien-aimé, nos pensées sont plus centrées maintenant à ces histoires des médias. On touche le téléphone de tout le temps. Combien de pertes de temps que tu as parlant, que tu causes même dans tes conversations, tout le temps, tu rentres à Facebook, bah, mais, ok, na YouTube, na WhatsApp. Bien-aimé, des choses comme ça. Parce qu'ils nous sont embrouillés, bien-aimé. On n'a pas le temps pour le Seigneur. Tu as tellement trop regardé, tes yeux sont affaiblis, tu ne peux même pas fermer les yeux pour prier et tu dors. Ils veulent nous faire occuper d'autres choses. Bien-aimé, ils sont entrés même dans les écoles, dans les systèmes des enseignements. Bien-aimé, pour pousser les gens, bien-aimé, tous ceux qui montent là-bas, ils prennent les enfants très intelligents, bien-aimé, et pour les mettre quoi, dans leur lignée des choses. Ils préparent déjà des gens, bien-aimé, pour que ces gens qui vont finir en brillance soient les gens de leur cadre. J'étais à l'université, j'ai vu comment on proposait les gens à ces trous, à ces histoires. Est-ce que vous ne comprenez pas? Dans le système, bien-aimé, tu es content des crédits parce que celui qui demeure toujours dans les dettes des gens, demeure quoi? Proverbe chapitre 22, verset, c'est le but du quoi? Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête, bien-aimé. Ils veulent qu'on demeure toujours là-bas. Bien-aimé, ils ont monté les industries que vous voyez. Simplement pour prendre notre temps. Ils nous disent quoi? Travailler plus pour gagner plus. Ils savent que quand tu travailles plus, et bien-aimé, tu n'auras plus le temps pour ton Seigneur. Ils nous donnent, bien-aimé, les désirs de beaucoup chercher l'argent. Or, la Bible nous dit que l'amour de l'argent, c'est les racines de tout le monde. Il est vrai que l'argent répond à tout. Bien aimé, l'argent pour un enfant de Dieu doit être une nécessité, mais ne doit pas être l'amour de cela. Tu ne dois pas être amoureux de l'argent, mais tu dois prendre l'argent comme un besoin pour répondre à tes nécessités, à tes obligations. L'argent, voilà pourquoi Christ n'avait pas dit que non, et l'amour, il a dit l'argent répond à tout. Il a dit répond à tout. Répond à quoi? À nos nécessités. Répond à cela. Bien aimé, nous travaillons. Bien aimé, combien de gens vous avez travaillé des heures sup' qu'on sort? Mais fais le bilan, bien aimé. Malgré les heures sup', tu verras que tu ne t'en sors pas tes difficultés. Ils savent, ils t'exploitent. Ils t'exploitent, bien aimé, ils nous font des esclaves. Vous allez voir qu'eux-mêmes ne travaillent moins. Les gens qui dirigent, mais nous travaillons plus parce que nous sommes devenus comme leurs agneaux, leurs bêtes, leur nourriture et pour nous conduire. Bien aimé, il est vrai qu'ils vont utiliser le verset pour des gens qui ne comprennent pas. Que Dieu a dit quoi? Vous devez travailler. Effectivement, Dieu n'aime pas la paresse. Dieu aime ceux qui travaillent. Mais bien aimé, Ecclésiaste a dit quoi? Chaque chose a son temps. Luc chapitre 20, verset 25, va nous dire quoi?
à César les choses de César, à Dieu les choses de Dieu. C'est que pour dire simplement, si je fais les choses de César, je dois prendre le temps aussi de Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent que les choses de César prennent même l'espace des choses de Dieu. Est-ce que vous ne comprenez pas tout cela? Parce qu'il veut nous contrôler. Jésus revient et le diable établit son règne. Mais que les élus de Dieu entendent les sons de la trompette que nous sommes en train de sonner au travers de l'enseignement de l'homme sanant, le Saint-Esprit, et qui parle dans cette émission, bien-aimé. Réveille-toi, ouvre tes yeux. Ne vois-tu pas? Ils ont maintenant mis la confusion dans nos têtes. Ils ont pris nos pensées. Ils les ont canalisées, bien-aimé, au matériel, au luxure. Mais vous ne comprenez pas, ils inventent les choses du jour au lendemain. Ils mettent des applications de téléphone pour que, bien-aimés, nous soyons centrés, conduits vers simplement le matériel. C'est ce que, bien-aimés, l'homme vit maintenant simplement pour le matériel. Bien-aimés, nous vivons pour cela maintenant. On ne vit plus pour Christ. Bien-aimés, oh, pourtant, Dieu nous a créés. Nous sommes des adorateurs. Christ dit, je recherche de vrais adorateurs. Ceux qui m'adorent en esprit et en vérité. Le temps, bien-aimés, que nous devons comprendre, nous devons revenir à Christ comme de vrais adorateurs. Il prendra soin de nous, bien-aimés. Je te dis, bien-aimés, fais ce que toi tu as à faire. Laisse Christ faire le reste. Bien-aimés, alors ne laisse pas que ce monde t'impose un système. Bien-aimés, honore la notion de la parole du Christ. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour Dieu. Il y a un temps pour Dieu. Bien-aimé, tu n'arrives plus. Toi qui priais beaucoup. Oh non, tu vois, dans ce monde-là, bien-aimé, tu ne vois pas. Surtout ici en Occident. Tout le monde court. On n'a même pas le temps de se donner l'amour. On n'a même pas le temps de fréquenter l'être humain. Ils nous canalisent. Ils nous ont fait comme des machines. Mais voyez-les eux-mêmes. Ils ont beaucoup de temps. Des voyages, des choses, parce qu'ils ont pris les mots, parce que le diable les a dit, si vous prosternez à moi, je vous donne tous les royaumes de la terre. Et les pasteurs qui veulent aussi cela sont tombés par là. J'ai tellement beaucoup de choses à nous dire, mais le temps nous empêche à beaucoup parler. Mais simplement, je vous dis, bien-aimés, ils prennent notre temps. Ils nous ont orientés vers de l'épsure, bien-aimés. Bien-aimés, on pense du matin au soir, il faut que j'achète cela. Des fois, tu sors au jour le jour. Bien-aimés, on pense que c'est là. On vit maintenant pour cela. Mais nous ne pensons pas. Et les églises commencent à se vider des gens. Quand je dis se vider des gens qui pouvaient donner bien bonnement leur cœur. Et les gens commencent à venir. Ça devient normal. Ils ont normalisé dans nos têtes, bien-aimés. Si même que, jusqu'au point que d'autres ont cherché à commencer même à mettre le travail le dimanche pour faire les gens, bien-aimés, à ne pas voir le temps. Et les chrétiens disent non, il faut que je travaille, qui va payer maintenant mon loyer? Bien-aimés, tout cela, ils nous font prendre ce qui est mal pour qu'on appelle les biens. Ils sont rentrés, bien-aimés, j'avais lu avec vous dans les livres, bien-aimés, si vous descendez toujours à Romains chapitre 1, vous verrez que non. Et ils ont changé la vie. Ils commencent, bien-aimés, à s'accoupler entre homme et homme. Bien-aimés, on avait lu cela. Homme et homme. On était avec vous même dans le livre de Lévitique, bien-aimés 18. On a vu cela. Ils couchent même avec des bêtes. Bien-aimés, aujourd'hui, ils ont parlé de la politique, c'est la démocratie. Pourquoi la démocratie qu'ils ont dit? Simplement, bien-aimés, pour pousser quoi à se contredire la démocratie et les droits de l'homme. Simplement pour détruire ce que c'est la volonté de Dieu. Les droits de l'homme, pourquoi? Pour dire chacun est libre de son opinion et de choisir ce qu'il veut. Et c'est ainsi que, bien-aimés, ils ont même accepté. L'homme doit se marier avec l'homme. Ils disent c'est la démocratie, c'est la liberté. Quelle démocratie qui ne glorifie pas Dieu? Vous voyez de quelle démocratie qu'ils ont mis? Ils ont mis la démocratie simplement, bien-aimés, pour briser les lois de l'éternel. Ils ont appelé cette démocratie les droits de l'homme. La véritable démocratie, simplement, bien-aimé, c'est marcher selon la volonté de Dieu. Ce sont les lois et les prescriptions, les ordonnances que Dieu nous a données dans la Bible. Bien-aimé, honore ton Dieu. Honore, suis. Ne fais pas. Toi, tu n'es pas civilisé. Qui vous parle avec civilisation? Qui peut être civilisé comme Dieu? Toute civilisation, toute chose, c'est Dieu qui est la mère de tout cela. On est en tant que pas civilisé. Si on est en Europe, qui t'a dit l'Europe? C'est la référence de toutes choses. Qui t'a dit l'Europe est au-dessus de Christ? Le seul message, c'est Jésus. Bien-aimés, on est en Europe, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous parlez de ça. Nous, non. En Europe, c'est pas comme ça. Bien-aimés, l'Europe n'est pas l'Europe qui a créé Dieu. C'est Dieu qui a créé l'Europe et tout le monde doit se conformer au Créateur. Chrétien, écoute-moi. Ne te fais pas civiliser dans le sens d'égarement. Reviens à la connaissance. C'est ainsi que, bien-aimés, dans ces Romains 1, la Bible nous dit quoi? Au verset 21, la Bible dit, ils sont
Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils sont donc inexcusables, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Vous connaissez Dieu, mais vous ne l'avez pas glorifié comme Dieu. Et ne lui ont pas rendu grâce comme il le faut, bien-aimés. Mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements. Vous vous êtes égarés dans de vains raisonnements. La Bible dit, et leur cœur, sans intelligence, c'est qu'on dit le discernement, le Saint-Évangile, la question d'intelligence a été plongée quoi? Dans les ténèbres. Oh, quand quelqu'un marche dans les ténèbres, il ne sait même pas d'où il va. Tu sais là où tu vas. Avec des espérances qui sont que des illusions. Oh, moi je sais, Dieu connaît, je rentrerai au ciel. C'est de cette manière. Et que tu n'arrives plus à honorer Dieu. On a normalisé le mal. On dit qu'on appelle le mal le bien maintenant. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Tu négliges, je ne vais pas prier, je ne viendrai pas. Hey, moi, Dieu sait. Mais le travail, même si tu es fatigué, tu pars. Les choses de Dieu, tu ne viendras pas. Tu ne m'as dit, Dieu sait, moi j'étais au travail, j'étais fatigué. Oh, Dieu sait que tu donneras à César son temps, tu donneras à Dieu aussi ces choses. Luc 20, 25. Ah, vous ne comprenez pas. Malheur à ceux qui appellent le mal le bien et le bien le mal. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, j'appelle tout le monde aujourd'hui de prier avec moi, de faire une repentance. Bien-aimés, peut-être tu pries, mais tu es déjà sous les jougs sans que tu saches. Tu es servi d'une manière. Ils ont laissé certaines personnes prier parce qu'elles-mêmes sont entrées dans les églises. Ils ont compris que si on dit aux gens de ne pas prier, on ferme les églises. Ils vont comprendre. Laisser les églises, mais diriger les églises. Ils dirigent les églises aujourd'hui. Ils nous proposent les affiliations de gauche à droite. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Bien-aimé, nous allons passer à la repentance tout à l'heure. Bien-aimé, répands-toi parce que tu ne sais pas, peut-être demain tu ne vivras pas. Peut-être Dieu te donne cette occasion de te repentir. De te repentir. Tous ceux qui vont prier avec moi, tu dis, tu écris Dieu délivre-moi, ou yes ou amen, on y va. Nous prions. Père céleste, ô Père, tu m'as parlé. Je me repens aujourd'hui. Je me remets entre tes mains. J'ai été inconscient. Merci de m'avoir éclairé par ta parole. Tu m'as dit que c'est ta connaissance qui sauve. Fais-moi connaître ta vérité pour marcher selon ta justice. Libère-moi de cette influence mondaine. Libère-moi de cette influence satanique. Fais-moi sortir de cette prison mentale, des dépendantes. Les dépendantes des choses de la terre. Fais-moi savoir que je suis un pèlerin. Je suis un passager sur la terre. Qu'un jour je retournerai. Apprends-moi, Seigneur, dans ma faiblesse à commencer à t'honorer. Change ma faiblesse à une force pour que je sois capable, bien-aimé, à respecter tes paroles. Que ce qui est plus fort que moi, occupe-toi de cela. Et ce que je peux faire, aide-moi à le faire. Les restes, je les donne à toi. Je m'abandonne entre tes mains. Seigneur, avec mes faiblesses, mais tu sais le peu d'amour que je porte pour toi. Fais grandir cet amour pour que je contemple ta bonté. Oh Jésus, il est vrai que tu nous as dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Apprends-moi à savoir discerner les temps que nous sommes et à discerner les esprits qui sont autour de moi si cela vient de toi. Renouvelle mon intelligence, Jésus, que je devienne libre. J'abandonne le péché et le mal, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas. Je puis tout par toi qui me fortifie. Je divorce aujourd'hui avec tout ce qui était mal dans ma vie. Je me laisse entre tes mains. Conduis-moi comme tu le voudras. Que ta parole m'enveloppe et que je sois plongé dans ta parole et que je boive ta parole et que je demeure en toi et que tes paroles demeurent en moi. Que ton esprit, que tu as dit, il est avantagé, me conduise jusqu'à ce que tu reviendras. Seigneur, prive-moi de tout, mais ne me prive pas du paradis. Seigneur, prive-moi de tout, mais ne m'empêche pas d'accéder dans ton royaume. Seigneur, quand tu reviendras, quels que soient les jours, puisqu'on ne sait pas, mais ne m'abandonne pas. Je me laisse entre tes mains. Je vais hériter le royaume des cieux. Je te montre ma famille.
sauve aussi ma famille. Je te montre tous ceux qui écoutent cette parole et tous ceux que je partagerai cette parole, Seigneur, pour qu'eux aussi soient saisis de cela. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont fait cette prière avec toute simplicité et humilité. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, réécoutez tout le temps ces messages, toutes ces 15 séances que nous avions vues avec vous sur l'esprit de domination. Et il y a des choses que je n'ai pas pu récapituler, mais qu'on avait déjà parlé d'autres séances. Je vais faire de mon mieux pour prendre cela à main de l'autre côté. Bien-aimés, comprenez, ils cherchent simplement à nous formater à vivre comme ils veulent. Mais nous, nous sommes formatés par le Saint-Esprit. Bien-aimé, je souhaite que tu demeures formaté par Dieu pour que tu sois utile dans l'ordinateur du Christ, dans les logiciels de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Restez connectés. Vous serez avec Pasteur Lydie Koumou à l'émission Au milieu de la nuit. C'est elle qui va vous donner tous les communiqués qui nous concernent. Bien-aimé, mais n'oubliez pas, le 23 septembre, bien-aimé, je vous annonce d'avance, on aura un dîner spécial à l'église France pour Christ d'Orléans pour ceux qui veulent aller plus loin dans le monde, avoir la pensée de leader et bouger le monde. Parce que nous sommes la lumière du monde. Et le 30, ce dîner sera à l'église France pour Christ Paris-Rony. Et après, on verra à l'église France pour Christ Paris-Boussy quand est-ce qu'on va le mettre. Mais c'est vendredi, si bien aimé, je dis à tout le monde qui habitait partout, venez, on a une grande veillée à l'église France pour Christ de Paris. Venez, une grande veillée, bien aimé, il y aura la main de Dieu, puisque nous, les miracles nous accompagnent, on n'a même pas à les chercher, parce qu'ils seront là. Là où nous sommes, ils seront là. Venez nombreux, prenez vos familles, c'est bien aimé, c'est à Paris, Rony. C'est vendredi 18, nous avions une grande veillée à ne pas rater. N'hésitez pas, vous aurez l'adresse avec Pasteur Lydie. Et le vendredi suivant, nous aurons la veillée avec l'église d'Orléans. On vous tiendra au courant. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on commence un nouvel enseignement avec vous. Bye.